Hey, salut vous chers mes traders, bienvenue sur Price Action Trading. À travers cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser et à découvrir la plateforme MT4. Alors vous avez dû sûrement en entendre parler, MT4, MT5, là on est sur la version MT4. Tout simplement c'est celle qui est la plus communément admise, la plus utilisée. Et donc tous les templates et tous les indicateurs, la plupart des indicateurs disponibles et les templates sont compatibles avec la version 4 et non la version 5. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un indicateur ou un template, je vous invite donc à regarder les vidéos suivantes. Alors, MT4 se compose de cette manière. Visuellement parlant, elle est assez simple d'utilisation. Donc ici à gauche, vous allez avoir vos différentes paires de devises avec vos cryptos, etc., vos métaux précieux. Enfin, tout ceci peut se paramétrer. En bas, vous allez avoir votre tableau d'ordre, d'accord, de trading, votre exposition, vos historiques de compte, les nouvelles, les alertes, les messageries, la compagnie, le marché. Ici, au niveau des marchés, vous allez pouvoir trouver des signaux, des experts consultants. Des experts consultants, c'est des robots traders. Et toute autre sorte de produits. Vous allez avoir les signaux, les articles, la bibliothèque, l'expert et le journal. Le journal, c'est intéressant pour savoir un petit peu ce qui se passe sur notre compte, ce qui a été accepté, ce qui a été refusé. C'est intéressant d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. Alors, donc notre graphique se compose ici de chandeliers japonais. Alors, chaque bougie jaune correspond à une bougie haussière, à un niveau haussier, et une bougie rouge, comme vous l'avez compris, donc correspond à un volume baissier. Ceci peut être changé. Oula, on a un petit bug au niveau de l'interface. Génial pour la présentation de MT4. Hein. Non, ça c'est mon ordinateur qui surchauffe. Il fait 30 degrés ici à Paris, les amis. Et donc voilà. Et comme je suis un peu fainéaste là ce soir, j'ai pas envie de refaire la vidéo. Donc voilà. Donc voici nos chandeliers qui sont transformés en barres. C'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre confort visuel. Ici, on a une ligne noire, bon, on peut la paramétrer, changer de couleur. Nous, on trade avec les chandeliers. Ici, vous avez le niveau de prix, donc du plus bas au plus haut. Et ici, vous avez donc votre échelle de temps, d'accord, qui, bien sûr, on peut zoomer et dézoomer. Ici, pareil, on peut zoomer, donc agrandir ou rétrécir nos chandelles. Donc, moi, j'utilise le template Pro Scalping Price Action Trading composé de plusieurs indicateurs. Ici, on va avoir la possibilité de changer les échelles de temps en M15, M30, H1, H4, en daily, en weekly. Ici, vous avez le bouton possibilité donc pour changer les templates. Ici, pareil pour les unités de temps. Ici, pour ajouter un indicateur. Ici vous avez le bouton donc pour l'auto-trading, ici pour les signaux, pour passer un ordre, mais je vous conseille donc de passer un ordre ici directement avec Sellbuy. Vous avez une fenêtre qui s'affiche pour passer donc un achat ou une vente en fonction de là où vous appuyez. Si vous voulez Buy pour un achat et Sell pour une vente, vous pouvez donc régler la taille de volume, le stop loss, vos take profit, et ensuite vous faites donc l'action désirée. Ici vous avez la possibilité donc de tracer vos supports et vos résistances, votre endline. Voilà, tous les outils basiques. C'est assez simple d'utilisation, c'est pour ça que c'est très utilisé comme outil. C'est un des outils favoris des traders amateurs et professionnels aussi. Donc voilà les amis, si vous avez moi je vous invite réellement à fouiller un petit peu, vous savez c'est pas compliqué, regardez un petit peu ce qui se fait, cliquez un petit peu partout, regardez, familiarisez-vous avec, vraiment c'est histoire de le prendre en main. Là je vous l'ai présenté rapidement donc avec les principaux caractéristiques, à vous de vous faire la main dessus. Voilà les amis, si vous avez des questions par rapport au trading auto ou par rapport au template, par rapport à peu importe vos sujets, faites-les moi savoir dans les commentaires, j'y répondrai. C'était Yann, je vous dis ciao, à très bientôt.